Oh, Vas-y. oh, 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 la qualité du son de ce casque est juste énorme. Coucou tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le casque Phil Canvis Pro de chez Inotech. Il s'agit d'un casque audio Bluetooth avec un réducteur de bruit actif. Une prise jack est intégrée si jamais tu n'as pas de Bluetooth sur ton smartphone. Un micro est intégré dans ce casque, ce qui est très pratique quand tu veux appeler des personnes. Allô? Ouais, je te parle avec le micro du casque. Ouais, tu m'entends bien? Très bien? Ouais. Ouais, bah là, je suis en train de tourner la vidéo. Ouais. Ouais, j'arrête, je reprends. Le gros plus, c'est qu'il y a 4 Go de stockage qui sont intégrés au casque. Donc si tu vas aller faire du sport, t'as juste à mettre ton casque, tes clés et tu pars courir. Il a une autonomie en veille de 48 jours, environ 25 heures lorsqu'on écoute de la musique. De toute façon, c'est très pratique puisqu'il y a une application où on peut voir le pourcentage de la batterie de son casque. Un temps de charge de 2h30. Parfait. Ce casque est composé d'un seul bouton puisqu'il s'en a le micro USB, le port jack. Un petit bouton, on peut slider vers le haut, le milieu ou le bas. Alors le bas, c'est tout simplement pour activer le réducteur de bruit à 100%. Le milieu, donc c'est en mode medium. Et le haut, en fait, c'est pour laisser passer le son. Par ici, nous avons un seul bouton. Lorsqu'on appuie, on l'allume ou on l'éteint. Si on appuie longtemps, nous allons activer le Bluetooth de l'appareil pour pouvoir se connecter à un autre device. J'ai oublié de dire que l'oreille à droite est tactile. Donc tu montes, tu augmentes le volume. Pas mal. Et ça marche super bien. Là, je descends, je diminue le volume, je remontais pour avoir un petit peu de son, c'est plus nice. Tu vas vers l'avant, hop, tu mets la prochaine musique, et tu vas vers l'arrière, tu mets la précédente musique. 4 modes de réduction de bruit, réduction du bruit ANC, qui réduit donc le bruit ambiant jusqu'à 96% des basses fréquences, idéal dans le train ou l'avion, j'ai testé, c'est parfait. Mode conversation permet de suivre la conversation de vos amis tout en écoutant de la musique, et ça c'est cool. Ce mode bloque les basses fréquences, mais laisse passer en fait la voix humaine. Il y a aussi le mode ouvert, donc tout en haut, permet d'entendre le bruit ambiant, et le mode vent, donc ça annule toutes les nuisances liées au vent. Et bien sûr, le casque est garanti 1 an. Dans le coffret, on retrouve le casque avec une très belle housse, un fil double jack, un fil micro USB ainsi qu'une notice. Dans l'application Phil Plus, on retrouve un onglet pour le niveau de la batterie. Quand on slide en bas, on a le manuel d'instruction. Ensuite, on a nouvel onglet, égalisateur avec basse, original et aiguë. Un onglet stockage où tu vas retrouver les musiques qui sont directement dans ton casque. Et ça, c'est assez efficace si tu veux switcher des musiques. L'onglet réduction de bruit avec les 4 modes. Pour finir, un onglet son 3D qui rajoute de l'écho à ta musique. C'est plutôt stylé, même si j'utilise pas très souvent. Pour finir, je suis super, mais super content de ce casque-là. Je l'utilise tous les jours. D'ailleurs, Inotech m'avait envoyé cette mini-enceinte, la X Mini, qui marche très bien. Donc franchement, niveau rapport qualité-prix, c'est super. Tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. Le lien du casque est dans la description de la vidéo. Et tu sais quoi? Continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer. Ah! Ça s'est arrêté. Je veux dire, aujourd'hui je vais vous présenter un casque... Non. Qu'est-ce que je peux faire en fait? La qualité de ce son... La qualité de ce casque est juste énorme. Je recommence. La qualité de ce casque, non, du son de ce casque, c'est ça. La qualité du son. Mais le casque est très bien de toute façon.